Et bienvenue pour l'épisode 237 de COPS, et on reprend tranquillement. Voilà. Tranquille. Avec une personne en moins parce qu'elle a perdu internet. Voilà. Pour résumer. On aurait pu rajouter ça quand on sait pas où on range ses affaires, mais bon, on le fera pas. J'ai pas compris. Bah, elle a perdu internet. Elle a perdu internet. Quand on sait pas où on range ses affaires, forcément. Ah, oui, ouais. Oula. Voilà, c'est dire que, voilà, on en est là, quoi. Ouais. Donc, épisode 237. Il va falloir faire un résumé d'il y a 3 semaines sur ce, aujourd'hui. Yeah. C'est pas faux. Oui. Résumé. Bah vous avez qu'à écouter l'épisode précédent, voilà. On avait coffré un petit moment déjà le tueur. De l'euthanasaur. Ouais, mais on enquêtait encore un peu sur 2-3 trucs. Et ouais, et du coup, on avait trouvé des petites révélations autour de lui. Un téléphone portable avec beaucoup de numéros intéressants. Ce ne sont pas les numéros du loto. Et il y avait un meurtre en face de l'appartement de Juan. Voilà. Et apparemment, dans le nouveau quartier où a emménagé Juan, il se passerait des choses bizarres. Ah oui, je m'en souviens. Voire étranges. Ouais, c'est que ça ne veut pas beaucoup parler. Des choses qui flirtent avec. Voilà. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Voilà, ça flirte avec ça. Donc, grosso modo, les gens se signent parce qu'il y aurait des vampires qui traîneraient dans le coin. Mais on ne parle pas de vampires, attention. Oui. Ça c'était pour le coup, c'est la dernière partie où on enquêtait un peu là-dessus et qu'on a eu des remontées de témoignages de gens qui avaient peur et qui se signaient. Et sinon, je sais que Mike et Juan avaient continué à enquêter sur la partie Batman Batman, exactement. Donc, grosso modo, des espèces de vigilantes qui sont en train de nettoyer les petits gangs qui braquent les commerçants. Et en repassant un soir, Mike a repéré un vendeur à la sauvette. En repassant en voiture, hein, pas ouais, avec un fer à repasser. Non, pendant qu'on était en patrouille, justement, et sur la fin de la patrouille, on est passé dans le coin, Mike a repéré un vendeur de la sauvette et, qui, a priori, était en train de refiler sous le manteau des produits illégaux. Mais surtout, un groupe de 6 personnes qui semblaient se regrouper et se préparer à le cueillir. À lui faire sa fête. Vu le nombre de personnes, on a appelé des renforts, prévision d'une bagarre. Et bizarrement, genre 2-3 minutes après qu'on ait appelé les renforts, bah les 6 d'entre eux se sont barrés après que quelqu'un ait reçu un coup de fil. Donc, on a suivi le type qui a reçu le coup de fil et jusqu'à chez lui, grosso modo. On sait qu'il s'appelle Donald Simental, qu'il est courtier en assurance et qu'il n'a pas de casier judiciaire. Mais on a demandé et on a eu la possibilité de le mettre sous écoute, ce qui a été fait. Après une conversation avec Iron Man pour dire que
on garde l'affaire, donc c'est pas transmis au SAD, parce qu'on se doute bien qu'il doit y avoir une taupe dans le commissariat où tout ça se passe, qui renseigne les vigilantes, et voilà. Et on en était arrivé là. Et je pense qu'on a fait à peu près le résumé de tout ce qui s'était passé la dernière fois. Est-ce que ça convient On va prendre ça pour un oui. Moi, je prends ça pour un oui. Le jeu est complètement à l'ouest. T'as pas d'idée. Donc t'es communiste ? Non, l'ouest, non, c'est l'est. Ah ouais, c'est l'inverse. Oh, putain, je suis fatigué. A priori, il est pas le seul. Ouais. À l'ouest, rien de nouveau. Hein. Ouais, à l'ouest, rien de nouveau. Ouais. Donc voilà. Et on en était arrivé là. Et donc, on doit arriver à la date du. Voilà. Ouais, bah, le problème, c'est que Chrome, il a plein de trucs sous les yeux et il essaie de trouver ses affaires. On doit être fin. Leader, voilà. Fin du mois ? Alors après, je sais plus si c'est mars ou avril. Mars, peut-être ? Alors, non, palette de jeu, campagne, calendrier des événements, tac, tac, tac. On avait fini le 23 et on commençait le 24. Donc on doit commencer le 24. Mars 2032. Et je finis mon ticket et c'est bon. Hop là. Bon, par contre... Mike et Lynn, j'espère que vous avez réglé le problème de vampires dans mon quartier, là, parce que j'ai pas emménagé pour mettre en péril Jew et Emily, quoi. Ouais, à mon avis, avec des ta vampires, gueule, c'est toi, clairement. Le vampire. Voilà, j'ai fait Mike. Voilà. Ça arrive. Ouais, bah, je préférais ma version, mais... mais ça arrive, c'est pas les vampires, c'est la merde qui arrive. Ah oui. Pour ça dit, j'ai quand même. Les vampires, tu dis ça sucks. Non, c'est pas possible, t'as pas osé dire ça. Eh ben si. Le truc, c'est que je suis en train de relire, j'essaie de relire rapidement le scénario. Mais ça me fait mal à la tête en fait. Ah, mais ça, c'est ton cerveau qui essaie de comprendre ça, sa propre stupidité. Hein. Non, c'est qu'il est mal écrit en fait le scénario, mais et qu'il est pourri, mais de mon point de vue, mais. Oui, mais moi j'aime bien c'était 70 Show, voilà. Mm-hmm. Parce que 70 Show c'est la meilleure série du monde. Ok. Voilà. Mais moi je te dis, je vais investir dans des gousses d'ail. Comme ça, je mettrai ça sur la porte d'entrée et sur les fenêtres. Au pire, ça sert à rien. Bon. Et au mieux, ça protège. On commence donc le mercredi 24 mars 2032 et on commence par le roll call, je pense. Hein, comme ça, voilà, on va rester dans du connu. Et on va faire surtout, il va y avoir un petit peu d'enquête, mais surtout on va faire du 10-18 en fait hein, ce soir. Pour le coup, j'essaie de relire rapidement le scénario de ce que je me rappelle. Et le problème, c'est que je vais pas vous cacher, mais réussir à mettre des liens pour vous amener là où le scénario veut vous amener. Il faut être en meilleure forme. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, il leur donne pas des liens, donc il faut les amener, et soit c'est vraiment capillotracté, soit voilà. Donc il faut que je réfléchisse à la question. Dans tous les cas, roll call. Lynn, vous en êtes dans vos enquêtes ? Bon, on n'a pas avancé. Mais bon... Faites un point sur toutes les enquêtes, hein, c'est histoire que... Mais pour la partie je suis toujours à la recherche de rencontrer un contact avec l'ambassade. Donc j'ai défini la cible, mais je cherche le meilleur moment pour aller l'aborder. Tac-tac. Ensuite, j'ai quoi comme enquête en cours J'ai une enquête avec une réminiscence de l'Eutanizer, qui, elle, avance aussi. Mais voilà, on n'en est qu'au début, donc c'est pas... On a beaucoup de promesses, mais bon, ça peut ne mener à rien. C'est lequel ? Tu penses à quoi ? Au truc de mercenaires, ça ? Ouais. Okay. Ouais, le pub. Voilà. On a un nom, après, est-ce qu'on arrivera à aller au-delà, c'est compliqué, quoi. Parce que ça a l'air d'être de rentrer que par cooptation, et du coup, c'est compliqué de se faire coopter, quand on a un badge.
C'est parce que t'as pas le bon badge, il faut que tu connaisses les bonnes personnes. Et pas beaucoup d'euros, quoi. Enfin, pas beaucoup de dollars, hein. Californien. Oh, t'as des collègues qui sont riches. Oui, oui. Voilà, c'est pas l'idée, quoi. Ok, et le chantage... Ah ouais. Ah bah ça, pour le coup, c'est plutôt en pause, mais c'est un petit peu lié au système de mercenaires, donc du coup, j'aimerais bien obtenir des... Comment dire. Des liens. Ouais, c'est l'idée. Il y a un truc, c'est marqué Clover City Explosion. Tu sais quoi, ça? Dans tes trucs. Dans mes trucs? Ouais. Il y a eu une explosion à Clover City. Non, je sais pas. Ok, bah je sais pas pourquoi il y a ça marqué. Je me rappelle plus. Ok. Bah parce que tu mets pas assez de description dans tes notes, hein, c'est tout. Voilà. Alors, déjà, on est plus sur Otanazor parce que apparemment on a quasiment bouclé le truc. Il reste plus que 2-3 choses, mais c'est Lynn et Mike qui ont repris le lead dessus, donc c'est bon. Dans l'enquête des feux trafiqués, on commence à marcher un peu sur des œufs parce qu'on arrive sur une partie légèrement politique. Alors, je ne suis pas d'accord. Les œufs, c'est Lynn qui s'en occupe. C'est pas et ces œufs-là. Et les casse très bien. C'est-à-dire, les Fabergé, à mon avis, résistent mieux que ceux sur lesquels on va marcher là-dedans. Mais... On avance, mais... À pas feutré, on va dire. Mais c'est toujours en cours. Et pour Batman, j'épaule toujours Mike, et donc je lui explique ce que j'ai expliqué dans le résumé, parce que je vais pas le réexpliquer une nouvelle fois. Voilà, voilà. De 10. Alors, de mémoire, moi j'ai l'entrepôt... C'est pas des choses de mémoire. Écris-les. Ouais. Alors, j'ai l'entrepôt où il y a deux gangs qu'il faut que je fasse toujours la surveillance pour pouvoir faire une descente convenable. Uh-huh. Mais j'ai pas vraiment eu le temps pour le moment avec l'euthanasor, tout ça. Et c'est moi qui ai la suspicion qui est le dossier sur la suspicion qui est lié à l'euthanasor, mais pas vraiment, en fait. La phrase n'a pas de sens, donc va au bout. Ouais, en gros, c'est sur le truc du couple en face de chez mon collègue. Enfin, les morts qui sont pas morts par l'euthanasor, mais qui sont morts quand même. Mais qui sont morts quand même, voilà. Et que ça paraît très, très bizarre. Suspect. C'est très suspect, c'est très bizarre, c'est... Voilà. Ah, ils ont juste perdu tout leur sang, quoi. Ouais, ils ont juste perdu tout leur sang, et dès qu'on essaye de faire du voisinage, ça sort des gousses d'ail et des crucifix. Voilà. Bon, tant que ça sort pas l'intégrale de Buffy contre les vampires, hein, ça va. Hein. Oui, ça va aller. Bref, voilà. De mémoire, c'est ça. Il n'y a pas plus. On est quel jour, en fait, dans le jeu? Encore? Ouais, non, j'ai oublié. Mercredi 24 mars 2032. Ah ouais, c'est bon, j'ai encore le temps. Bon, vous avez fait votre tour, Sir fait le tour aussi de ses enquêtes, Mike. Et bah pour le coup, aujourd'hui, vous allez être en trinôme. Hein. Tous les trois. Une bagnole. Yeah. Génial. Youpi. Donc, bah, dites-moi ce que vous voulez faire, et puis à un moment ou à un autre, je vais vous mettre un petit 10-18. Tu veux conduire Vas-y, oui. On a quelle heure? On a notre... 15-23. C'est comme tu veux, mon petit... Bah écoute, si je te l'ai proposé, c'est que moi, ça me dérange pas. Ça. Je conduis et je vous emmerde. Bon bah voilà, comme ça, c'est réglé. Putain, la question ne se pose plus. Bah la question, c'est surtout où vous allez conduire. Bah justement, alors déjà, si elle conduit, moi je me mets à l'arrière. Comme ça, je te laisse la place du mort. Donc, okay. Voilà, alors ça dépend, si tu sont super cutés par l'arrière. Et donc on va patrouiller où? J'allais dire, si tu veux un truc sympa, cool, pas chiant, etc., tu vas du côté de Venice Beach. Bah justement, attends, Venice Beach, c'est mon quartier au fait. Oui.
Bah, c'est là où, en fait, il faut que je fasse un peu de surveillance de ce foutu entrepôt, là. Toi, je pense que t'as envie de joindre l'utile à l'agréable. Pas du tout. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Absolument rien. D'accord. Ce sourire dissimulé. C'est ce sourire dissimulé. Ok. Bon, ça me dérange pas. On s'est acté ? C'est acté. Ok, bah, on va là-bas. Mais on n'est pas qu'on passe pas devant hein, le hangar. Ouais. Est-ce que j'ai un petit truc sur Venice Beach? Ouais, alors c'est bon, c'est pas Venice Beach, c'est Santa Monica, mais bon, ça s'en rapproche déjà. C'est pas loin. Vite fait, si j'en ai une autre, mais je ne crois pas. Non, les friches industrielles, c'est pas trop le délire. Donc, ok. Ok. Tiens, bah, ça aussi, tac. Vu l'heure qu'il est, on est plutôt sur ce genre d'ambiance. Cool. Bon. Donc, vous faites quoi, là-bas ? Normalement, il y a deux enquêtes qui étaient là-bas, hein, de mémoire. Juan, bah, aussi, ton enquête aussi était là, non ? Batman, hein, je sais plus, oui. Si c'est Venice Beach ou... Je pense que c'est pas loin. C'est pas Venice Beach, mais c'est pas loin non plus. Ça serait peut-être bien Santa Monica. Mais attends, on va vérifier ça. Pum, 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 pum. C'est West Hollywood, pour être très précis. Oh, c'est bizarre. Ok. Mais ok, d'accord. C'est parce que la nana qui a fait la déposition, qui a déclenché le tout, l'a fait au commissariat de West Hollywood. Ok, c'était pas... Je me rappelais pas que c'était à West Hollywood. Je pensais que c'était plutôt ce côté-là. Mais ok, ça change pas grand-chose, réellement. Voilà. Mais cela dit, on peut faire un petit détour par West Hollywood avant de descendre sur Venice Beach. Hein. Y a pas de souci. Non, non, c'était juste... Si, bon, de toute façon, on a juste mis le petit gars sous écoute, donc grosso modo, quand je prends le après le roll call, je vérifie, je fais quelques écoutes là-dessus, je peux même prendre des écoutes et les écouter. C'est qui t'as mis sur écoute déjà ? Voiture. Et oui, on a eu déjà l'autorisation de le mettre sur écoute. Non, c'est qui ? C'est le nom du monsieur ? Oui, non, mais c'est qui ? Parce que là, j'ai pas les notes sous les yeux. Bah, c'est le nom du comptable qui a passé le coup de fil, enfin qui a reçu le coup de fil pour dire que des flics avaient demandé du renfort dans le coin. Ouais, c'est ça. C'est Donald Simental, le courtier en assurance. Et qui a été mis en surécoute. Ok. Bon, bah, il y a rien pour l'instant. Je tiens à dire, c'est très solide comme information. Simental. Ouais, ouais. Merci, merci. C'est le deux cops. J'ai fait beaucoup d'études pour ça. Ça se voit pas. T'as mangé un clou au matin, toi. Ah non. Pas frais. Il était pas très frais. Ouais, ouais, ouais. Bon. C'est... Ah, ça sera plutôt comme ça, oui. Ok. Donc, vous faites quoi ? Vous allez à l'entrepôt, ça ? D'après ce qu'a dit Lynn, on tourne autour de l'entrepôt, mais on s'en approche. J'ai bon, Lynn ? Oui, c'est l'idée. Bah, on va pas y aller avec une voiture de flic en mode on se planque devant, quoi. Que je veux dire. Ça serait et on met un giro et on met la sirène. On est là, on est voilà, là. Voilà, après, on traîne dans le quartier. Après, je pense que... Ça dit, tu peux passer une fois devant. Hein. Oui, c'est sûr, mais... Bon, si mais dans les faits... Plusieurs fois, ça va se voir, mais si tu passes juste une fois devant... Mais il me semblait que Denis l'avait mis sur surveillance par d'autres services, non ? Ou j'ai rêvé ? Je crois que je voulais, ouais, mais j'ai pas fait les papiers pour. Il faudrait que je le fasse. Parce que du coup... Un petit jet... Qui manque de moyens, ça. Un petit jet de... sang-froid, discrétion. Pour tout le monde. Et discrétion. Vous faites le, vous approchez quoi, vous faites pas juste. Ouais ouais. Ok. Enfin, on fait un passage devant quoi. Hein. Ouais mais ça sert à rien si c'est juste un passage devant en fait. J'annonce 3 succès. Bah, moi j'aurais tendance à dire que nous on fait un passage devant et que on laisse Denis dans le coin et lui il fait un repérage plus. Plus abouti pendant que nous on assure la tournée quoi. Ok. Donc Denis tu fais combien ? 4. Ok. Il y a que Lynn qui
Alors attends, j'ai un petit truc à régler. Dit-elle en mettant son silencieux sur son flingue. Non, je monte ton son parce qu'a priori tu es faible sur le podcast. Du coup, qu'est-ce que je voulais. C'est quoi le G? Perception. Sans froid, discrétion. Ah. J'ai pensé à une connerie, je vais éviter de la sortir. Denis? Oui. Tu me fais une perception instant flic, vu que c'était le seul à pied qui va regarder un peu de plus près. Ça va. Je suis discret. Oh putain. Ouais, d'accord. C'est quoi ce jet de bâtard? Je vais pas regarder. 3 réussites. 7 succès. Ah ouais. Ouais, c'est ça. 7, puis après 10, 10, 10. Je suis 7, passé quoi. À travers le bâtiment, personne ne m'a vu. Mais t'as brisé la matrice là, je sais pas ce qui s'est passé, mais. Je suis passé par le quatrième mur. Ouais, mais un bâtiment, ça a 4 murs. Tu réussis en gros à. Tu t'approches pour un peu voir ce qui se passe dedans. Ouais, essayer de déterminer un peu. Ouais, sur une des fenêtres, en fait, tu vois en fait, les voitures garées. Mais surtout, ce que tu vois, c'est que. Tu te rappelles les jumelles? Il y en a une là qui est dedans. Elle est attachée à l'arrière d'une bagnole et la bagnole et les gars sont en train de lui parler depuis la... avec des armes à la main. Oh, putain de bordel de merde. La question c'est est-ce qu'elle a l'air consentante? Oh oui, complètement, elle est attachée. Alors, jeu, je pense que ce code putain de bordel de merde, il est pas dans la liste des codes cops, tu vois. Alors... Je pense qu'on comprend très bien le souci. Alors, je fais un petit call radio ornithorynque. Ouch! Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Fais-je en regardant Lynn et en armant le flingue aussi. Donc, ouais. Ornithorynque, j'ai une des jumelles qui est capturée. Ok. Voilà. Bon. Donc, tu veux quoi qu'on se tu veux qu'on se rejoigne où? Alors, en fait, ce que attendez dans une des rues à côté. Je connais un peu le quartier, donc je peux leur donner une indication ou pas. Non, mais tu veux faire quoi? Dis ce que tu veux faire. En gros, pour le moment, moi, ce que je vais faire, c'est faites le call, faites l'appel renfort, SWAT et compagnie. On a un otage à récupérer qui est dans tel bâtiment, qui est tenu par des Bloods et une mafia coréenne. Que j'avais en suspicion depuis un bon moment. De là où je suis, je peux vous indiquer quand même un peu combien ils sont, machin. Bref, voilà, je donne toutes ces informations que j'ai. En gros, attends. Tu leur dis, ouais, appelez des renforts. Moi, je vérifie, je regarde ce qui se passe. Pour faire simple. Hein. Et pour le moment, ouais. Ok. Donc, tu dis ça. Le coffre de la voiture se ferme et la voiture démarre et la porte s'ouvre. Il y a quatre voitures qui partent, les unes derrière les autres. Ok, il y a quatre voitures et je note la plaque de la voiture de... Mmh. Lynn, file-moi le volant, on récupère Denis sur le filet. Non, filez la bagnole directement. C'est oui, pas justement, grave. Mais je peux te récupérer s'il faut, mais il faut juste que Lynn me file le volant. Oui, je te file le volant, pas de soucis. Comme, qui ont pris la voiture. C'est des voitures un peu tunées. D'accord. Des voitures de blot. Ouais. Tant mieux, ça consomme plus d'essence, ils vont être plus vite à plat. Bon, si, dès que je prends la place conducteur, je fonce récupérer Denis pour reprendre la... Il t'a dit non. Je t'ai dit non. Ah, tu m'as dit non, bah, je fonce à prendre la voiture en filature directe, ouais. Alors. Donc Lynn et Juan, vous filez le groupe de bagnole, c'est ça? Il nous a donné la voiture. Il nous a donné la bagnole, vous avez dit c'était la première, deuxième, troisième ou quatrième. Quoi. Ouais, vous donnez la plaque et une description rapide. Bon, je suis celle-là hein, en priorité. En plus, comme elles sont tunées, je pense que ça va être facile à repérer. Et évidemment, par radio, on donne des indications pour essayer de resserrer les autres, ou, etc. etc. quoi. La question, c'est tu fais une course-poursuite en mode discret ou discret, bien sûr, je les file. Hein, je fais pas de... C'est une filature pour l'instant. De ce filature, tout à fait. D'accord. Tu vois Bullet quand il est la Mustang, non la, bonjour, la Dodge Viper suit la vieux. Mustang, bah ça va être ça quoi. Il y a des références de vieux, bonjour. Si vous avez jamais vu cette scène là, franchement,
J'ai jamais vu Bullitt en entier. Je crois pas l'avoir vu non plus. Hein. Pareil. Par contre, j'ai vu... comment elle s'appelle Corvette Summer. Ça te dit ce que c'est? Eh ben c'est un film avec Marc Hamill. Waouh. Merci. Ça, c'est la référence. Mais putain, mais pourquoi? Marc Hamill, il est bon que dans un seul rôle, celui du Joker. Je suis désolé, hein, mais... moi, ça me va, hein, t'inquiète. Ouf. Je suis pas d'accord parce que c'est pas un rôle au cinéma, donc c'est pas un vrai rôle. Bon, cela dit, Lynn prévient les anges qu'on a un Denis qui est à pied et s'il peut avoir une bagnole qu'il chope, comme ça quand on donnera la direction... Qu'est-ce que tu fais, Denis aller... Est-ce que je peux avoir une... en gros avec ma réussite est-ce que j'ai un peu l'idée de la topographie du bâtiment ou pas? Qu'est-ce que tu veux faire, je te demande en fait, surtout c'est quoi ton but là? Il veut rentrer dedans, je pense. Non, en fait le truc c'est mais que t'as une petite idée, oui, à peu près de la topographie. Tu cherches la poutre porteuse pour le faire s'effondrer. Ouais, c'est ça. À coup de ton fa. Écoute, ton à peu près, mais t'as des zones d'ombre, entre guillemets. Ouais, j'ai des zones d'ombre, mais au moins... Et surtout, il est pas vide, le bâtiment. Hein. Oui, je sais. Mais non, ce que je fais... En fait, pour le moment, je fais confiance à Lynn et Erwan pour sauver mon ami. Moi, je fais ce qui m'était convenu que je fasse, en fait, c'était choper une topographie plus ou moins exacte à 80% du bâtiment, quoi. T'as deux voitures de comment ça s'appelle de Coréens qui s'en vont et qui sortent du bâtiment. Je sais pas si tu peux faire confiance à Lynn pour sauver ton ami. Par contre, je peux t'assurer que si elle meurt, les autres vont être punis dans les minutes qui suivent, quoi. Ouais, je sais ça. Alors, moi, je serais en train de quand même proposer une nouvelle règle sur... sur la liste des règles à faire du COPS. J'essaie de retrouver désespérément l'onglet où j'ai mis ça. C'est règle de COPS, normalement, je crois. Voilà. Oui, mais il est en dehors des trucs. Et donc, du coup, règle 19, ne pas appeler de renfort si une personne... si on veut pas que les criminels soient au courant qu'on va les attaquer. Bah oui, ne t'inquiète pas, moi tout ce que je fais c'est prendre la topographie et la descente, on la fera plus tard au pire. Mais mon point il est pas là-dessus, il est pas sur ce que ton action on s'en fout, enfin c'est bien ce que tu fais, y a pas de problème, mais je commence à en avoir ras le cul à chaque fois qu'on se pointe et qu'on va toper des gars qui soient au courant qu'on va y arriver. Donc voilà. Comme si une entité supérieure les indiquait où et comment. Voilà. Alors attention, hein, les mecs que vous suivez là en filature, ils y vont pas à pleine balle. Hein, ils sont plutôt en mode tranquille. Cool. Hein. Bah, justement, raison de plus pour les suivre cool aussi. Hein. Dans le bâtiment, il reste des Bloods et des Coréens, mais en tout cas, il y en a une bonne partie qui sont partis. Ouais, mais les quatre voitures avancent en convoi. Ouais. Je signale quand même qu'il y a comment. J'envoie un petit message à Lynn qui a. Tu m'as dit combien? Deux bagnoles de Coréens, c'est ça? Ouais, oui. Kia, c'est Coréen, en effet. Ouais, il y a deux bagnoles de Coréens qui sont partis aussi. Peut-être qu'elles vont regrouper avec le convoi. Ouais. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Les voitures qu'on a, c'est des Bloods. Qu'on suit, c'est des Bloods. Ouais. Mais c'est parce qu'ils sont alliés. En fait. Et la jumelle, elle est. Dans un coffre d'une des Bloods. Otage des Bloods, ouais. Apparemment. Alors, ce que t'as vu parler avec, c'était pour Denis, c'était pas les Bloods qui parlaient avec, hein, c'était les Coréens. C'était les Coréens qui parlaient avec, mais ils sont. Mais voilà, donc c'est pour ça que je dis méfiez-vous, il y a deux bagnoles de Coréens qui sont partis aussi, donc peut-être qu'elles vont être derrière vous, quoi, en fait. Votre filature, ils prennent la 405 direction le nord, hein, actuellement. Eh ben on va informer Denis qu'on prend la 405 direction le nord. Hein. S'il roule en 405, ça va. Hein. On peut les suivre facilement. 405 customisé, c'est assez space quand même. La 405 vers le nord. J'ai mis la map. Ouais, je sais, je suis en train de regarder. Donc ils vont passer par Beverly Hills pour aller à Van Nuys et compagnie, voire plus au nord encore, quoi. Pour l'instant, vous êtes au niveau de Venice Beach, hein, non plus. C'est ça.
Oui, mais bon, c'est. J'essaie de voir si on peut avoir assez rapidement Alors, un comment un. le truc, c'est pas là pour le moment. Toi, t'es occupé à faire ta reconnaissance et les autres Ouais. qui. Par contre, justement, moi je vais demander à Adine comment elle voit le truc, parce qu'il y a quatre bagnoles avec des bloods dans les quatre bagnoles. On sait qu'il y en a une dans laquelle il y a la jumelle, mais s'ils restent tous ensemble, ça va être chaud quand même. Avant que Lynn réponde, moi j'imagine très bien Lynn en train de charger toutes ses armes là et de vérifier que tout est en bien quand Lynn parle. Hein. Mais bon, ça reste mon point de vue. Hein. Mais voilà. Alors, une possibilité, c'est si la voiture qui contient la jumelle est ou tout devant ou tout derrière, c'est de passer rapidement pour que tu leur tires dans les pneus, histoire de les... Mais bon. Et voilà, comment tu le sens, Lynn, là? Parce que si on part sur du pas de renfort, on est deux contre eux. Je veux dire que s'ils sont quatre dans chaque bagnole, ça fait quand même 16. 16. Du 1 contre 8, c'est quand même assez Alors, couillu, quoi. non, bah déjà tu vas faire un coup du gobe sur une voiture, tu vas éliminer les quatre qui sont dedans. Et j'ai aussi un risque de péter le moteur et de plus pouvoir suivre les autres. Oui, mais au moment où on fera ça quand ils vont s'arrêter, on n'est pas con. Ils s'arrêtent, tu fais boum dans une des voitures pour éliminer les quatre occupants dedans, on sort. On canarde bah, à fond de balle les deux autres voitures et on laisse s'échapper les mecs qui sont dans la voiture où il y a la jumelle et on récupère la jumelle. Je veux dire, quand ils vont voir qui c'est en face d'eux, ils vont partir en courant. Ouais. Ouais. Une personne sensée ferait ça. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Le but, c'est de sauver la jumelle, quoi. C'est pas de les descendre des dessous des tous. Bah, en tout cas, le but il est là. Hein. Si on veut intervenir militaire, enfin, je vais dire militairement, mais physiquement, voilà. Après, on donne des indications pour appeler du renfort le plus rapidement possible, quoi. Juan qui conduit, il va me faire un petit jet de sang-froid discrétion ou de sang-froid conduite, comme il veut, mais c'est le même but. Alors, je vais plus prendre sang-froid conduite, parce que tu vois, quand même, sang-froid, c'est pas une de mes caractéristiques les plus hautes. Et. Ah, putain, je claquerais bien un point d'ancienneté pour montrer à 3, tu vois. Bah, de toute façon, ça va être résisté. Alors, on va voir. Hein. J'ai trois jets à lancer, donc. Bon, apparemment, il se doute de rien. Ça, t'en sais rien. C'est pour ça que j'ai dit apparemment. Ok. Pour le moment, vous les suivez. Je retourne un peu sur Denis. Donc, Denis, que fais-tu? Ben, une fois que j'ai fini mon petit repérage, Ouais. mon petit repérage, en fait, je demande où est-ce qu'ils en sont, comment ça se passe et compagnie. Ok, alors avant que tu demandes ce qu'ils en sont, t'as la radio du central qui dit que y a des gens ont signalé des coups de feu. En gros, l'adresse, bah, c'est simple, c'est à côté de chez toi. C'est le magasin. Bien sûr. Ben, je pense que tu pourrais appeler l'autre jumelle parce qu'on sait pas dans quel état elle est. Hein. Ouais. Voir Bon, peut-être savoir où je. est l'étui, il est à Courroie, quoi, parce que. Je repars discrètement et je fonce là. Donc à pied. Oh oui. En Ok. footing. Tu veux me faire un petit jet de cargo athlétisme? En même temps, il fume pas, il s'entraîne avec des babouins, donc. Voilà, 4. Du speed. Autant que tu peux. Pendant ce temps, la voiture, elle est donc de la 405, elle prend l'autoroute 10 vers l'est. Toute seule ou avec les quatre autres? Ils sont plus que trois. Il y en a une autre qui est partie, mais ils sont plus que trois. Ah, c'est cool ça. Bah, on donne la plaque et la route de celle qui s'est séparée du truc. Bah, c'est Et direction Downton, hein.
Oui, bah... celle qui s'est séparée. Oui, celle qui s'est séparée. Elle est partie vers le nord. Bah, on donne sa description, sa plaque et tout, et on demande à des flics de la toper s'ils peuvent. Hein. Contrôle, juste un contrôle au pire, hein, mais je pense que. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux leur reprocher? Ils ont personne. Dessus. Participation à un kidnapping. Juste ça, quoi. Par exemple, oui, ça reste. Alors, voilà. En fait, faut et surtout signaler bien le truc que ce sont. Non, je suis pas là. Oui, t'es pas là. Pardon. Participation à kidnapping, détention d'armes, blood. Voilà. Et évidemment, je dis qu'ils sont dangereux et voilà. Par contre, ce qui est cool, c'est que s'il y a encore une autre bagnole qui se casse, à partir de deux, on peut penser à faire une intervention. Bah oui. Ok. Par contre, je veux pas dire, mais s'ils vont à South Central, il vaut mieux les toper avant. Hein. C'est pas con. Pour l'instant, vous êtes sur l'autoroute. Est-ce que... comment dire... pourrait essayer de tirer un pneu en mode discretos... ça ne marche pas, ça. Le coup de feu discret, tu rêves, mon gars. Non, mais je veux dire, s'approcher discrètement, tirer un coup de feu, s'assurer que ça part dans le pneu de la voiture qu'on veut stopper, c'est-à-dire celle où il y a l'otage, et du coup, faire une manœuvre en même temps pour la plaquer ou la mettre en sécurité, entre guillemets. Alors peut-être elle est dans le coffre. Sera pas nécessaire. Elle est dans le coffre. Hein. Elle est dans le coffre. Non, mais moi, je parle de la voiture, je parle pas d'elle. Ah, d'accord. On s'en fout d'elle. D'abord, on sécurise la voiture. Et la si dernière est... fois que t'as arrêté une voiture, les dernières fois où t'as arrêté des bagnoles, il y a pas eu beaucoup de morts, là, rappelle-moi. Oui, si. Non, très peu. Rappelle-toi ce que tu disais. Non, mais cherche pas. Le coup de feu dans un pneu, non, c'est pas discret. Non, mais c'est pas mon but. Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est. On s'en fout. Enfin, à partir du moment où on va agir, on sera pas discret de toute façon. Oui, tu veux, donc, tu veux en fait serrer la bagnole sur le côté, quoi. Voilà. Est-ce que pour ça on a besoin d'un coup de feu ou pas? C'est une manœuvre supplémentaire. On s'en fout. Va voir. On s'en fout. Mais dans l'idée, est-ce qu'on pourrait pas essayer de s'approcher et la taper et la coincer et laisser les deux autres agir et puis nous. Techniquement, si, mais je me permettrais de refaire un jet de discrétion. Oui. Ouais. Pour grosso modo s'approcher et tout. Par contre, ce qui peut être cool, c'est au moment où ils s'engagent sur une sortie, tu coinces l'autre justement pour que qu'il y ait un peu de retard par rapport aux deux autres. Parce que la voiture qu'on essaie d'arrêter, c'est celle du milieu du convoi, bien la sûr, dernière. Bah ouais, bien sûr, évidemment, sinon c'est pas rigolo. C'est plus drôle. Par contre, si on coince l'autre, on va être portière à portière, donc ça veut dire que ça va être du bout portant. Hein. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? On va pas la sauver à Saint Central, hein. On va avoir la moitié de la ville contre nous, là. Alors, je te conseillerais déjà de... Enfin, moi, je baisse les deux vitres côté passager, parce que si on la colle, ça va éviter déjà du bruit de glace pour rien. Mais bon, j'espère que chose, tu sais tirer... C'est qu'il est quand même 18h, et que d'ici un petit kilomètre, il va y avoir des bouchons. Ça peut être intéressant. Ouais, mais la question, c'est est-ce qu'il y a des sorties avant un kilomètre? Bien sûr, il y en a. Il y en a aussi après. Alors, écoute, je te propose... Mais tu ne seras pas encore... C'est pas une sortie South Central tout de suite. Ouais, c'est ça. Je te propose un truc. Donc, ça, au milieu de Traverse City, par contre. Je demande à la police de boucler toutes les sorties... et de mettre un barrage à toutes les sorties, en fait, entre maintenant et là où on est. Ok. Et jusqu'au bouchon, en fait. Ouais, bah, ils vont te dire que c'est gentil, mais... Ça va être chaud, oui. Ils auront pas le temps d'être... ils vont essayer. Mais ça... Mais pas pour une personne, en fait, normalement. Enfin, bah, c'est... Si voilà, on... c'est... Ah, c'est une jumelle, hein. Il y en a peut-être deux, on les a peut-être pas vues, hein. Alors, sinon, moi, je te dis que si je vois prendre une sortie avant d'arriver sur le bouchon... Je vais tout de suite faire une manœuvre. Je plaque la bagnole, enfin je fais en sorte de l'immobiliser. Sinon, j'attends d'être dans le bouchon. Okay. Voilà. Et moi, dans le pire des cas, j'ai aussi mon flingue que je peux utiliser pour aider à l'immobilisation de la bagnole. Oui, j'avais compris. D'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, à Venice Beach. Venice Beach. C'est simple, tu vois une espèce de... Tu arrives, tu vois le magasin qui est en partie en feu. Il y a deux voitures garées devant. Oh, je vais me les faire. Il y a le garde de sécurité qui est dans une mare de sang.
Yes. Et t'entends hurler dans le magasin, en fait. Quand il y en a marre, il y a même la barre. Ah bah, alors là... T'entends hurler dans le magasin, en fait, là, tu vois que l'entrée du magasin, en fait, a été fermée. Bloqué avec une espèce de barre de fer qui est tordue, et les mecs, en fait, il y en a 2-3 qui sont hors des bagnoles, qui sont en train de regarder que l'ananas se barre pas, en fait. Elle est dans le magasin qui est en feu. D'accord, je vais me les faire. Tu fais quoi ? Tu te les fais, c'est ça ? Ah bah, je vais me les faire. Que oui. Alors, okay. Peut-être que tu vas sauver l'ananas, non ? Bah, il faut d'abord qu'il incapacite les 3 mecs. Non, t'es pas là, Tlon. C'est la première chose que je fais, c'est j'appelle les pompiers, j'appelle des renforts, j'appelle une ambulance pour le garde, okay. Bref, voilà. Alors, attends. Et je fonce. Je rappelle, tu as 2 portes, une porte à l'arrière et une porte devant. Ils sont devant. Tu fais quoi ? Bah, je vais à l'arrière, au pire. Ouais. Ok, tu vas à l'arrière, la porte est bloquée. Je signale qu'il y a 3 hommes qui sont à l'avant du magasin et qui bloquent l'accès pour et qu'il y a une personne. T'entends plus la nana hurler. Putain, je fonce. Non, mais tout en faisant le tour. Mais j'ai compris que t'as fait le tour. Mais t'es devant cette putain de porte. Tu fais quoi, je te demande ? Oui, non, mais pendant que je faisais le tour, j'ai signalé tout ce que j'avais à signaler. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Bah, ouverture de force. Putain, non. Attends. T4. Attends. Je vérifie si elle est chaude, machin et compagnie. Bref, tu sais, j'évite de me faire un... Je vérifie si les femmes sont pas derrière la porte, quoi. Ouais, c'est ça. On voit ceux qui ont eu des cours anti-incendie, quoi. C'est ça. Oui, c'est chaud. C'est pas bouillant, mais c'est chaud. Putain. En fait, le seul accès, c'est l'avant, quoi. Tu fais quoi ? Sinon, tu prends ton courage à deux mains, tu pètes la porte et puis tu rentres avec le blouson devant et tu fonces. Hein. Ouais, mais t'as 5 ans carrure, un appel d'air, ça va cramer tes sourcils, c'est tout, quoi. Ça va. Ouais, mais après, comment on va je me fais encore me faire engueuler. Attends, Denis, on me l'a toujours présenté comme le mec, quand on lui dit d'arrêter un incendie, il boit de l'alcool, il pisse dessus pour l'aviver, quoi. Donc, Bon, vas-y, il faut que je passe. De toute façon, mais le problème, c'est l'appel d'air, en fait. Ça peut générer pas mal de problèmes. En plus. Tu fais quoi ? Je défonce la porte arrière. Vas-y, carrure, difficulté 4. Putain ! Tu te fais mal à l'épaule. Quelque part, le feu va t'aider. Hein. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je commence. Ok, là, vas-y. Ah bah voilà ! Une fois que la porte est ouverte, je me baisse. Hein. C'est sûr que les gonds qui sont cramés et qui gondolent, ça aide pas pour ouvrir une porte comme ça, quoi, hein, clairement. Ok, alors certes, il y a un appel d'air, mais ça va, tu ne te prends pas une espèce de grosse gerbe de flamme dans la gueule. Ouais, je me prends pas un goût de grisou, quoi. Non. Ok. Un canari dans une cage. Par contre, ce que tu vois, c'est la jumelle, en fait, qui est au sol, au milieu de la cuisine, à moitié brûlée. Putain, bon, j'éteins les flammes sur elle et je la récupère. Ok, tu me fais un... Ça sera plus facile à distinguer de la jumelle, encore. Hein. Putain, quelle horreur, monsieur. Oh non. Je t'ai pas écouté, je l'ai même pas entendu. Ok, tu la sors de là. Les renforts seront pas là avant 3 minutes. Je passe aux autres. Les autres, clairement, ils voient, comme vous, ils ont vu qu'il y a des embouteillages en fait et ils commencent à prendre à essayer de sortir avant. Accroche-toi, Lynn. Mais attends, laisse-moi finir. Ça reste quand même très congestionné, ce qui veut dire qu'ils sortent doucement. Ils sont pas en train de forcer, bien qu'ils insultent les gens qui sont devant. Hein. Alors, je vais essayer de me mettre à côté de la bagnole du milieu, comme je peux. Okay. C'est-à-dire, On se baisse dans les sièges pour pas faire apparaître nos uniformes et nos... Je considère que vous étiez en civil, hein, de toute façon, quand vous avez fait... Comme c'était un truc d'infiltration à la base. Alors, je me suis habillé avec uniformes pendant le trajet. Hein. Je peux pas être poil. Tlon ? Pas, par contre. Oui. Ok, donc tu t'allonges sur la banquette arrière, Lynn, c'est ça ? Oui, allez, oui. Ok, donc t'es à niveau, tu me fais un jet de comment ça s'appelle, de sang froid. Tous les deux, vous me faites un jet de sang froid discrétion. Mais j'ai fait 7, celui d'avant. Oh putain, c'est pas bon. Ouf, ouh le 1. Donc ouais, Lynn, tu restes allongé, personne te fait gaffe. Par contre, Juan, le mec qui conduit, il te voit en fait t'approcher. Je peux dépenser. Regarde. Quoi ? Un point d'ancienneté pour lui ou pas ? Non.
Non. Pas. Tu vois en fait qu'il te fait un. En fait, clairement, tu te rapproches en fait à niveau. Et tu vois qu'en fait, que quand tu te rapproches à niveau, il te regarde assez méchamment. Il a sorti un pistolet mitrailleur et il te fait genre dégage avant que je te tire dessus, quoi. je vais faire le mec paniqué qui fait oui, j'essaie alors, d'avancer et tout. Juste une question, on n'a pas de Hellfire à bord? Dans le coffre? Parce que si on a un Hellfire dans le coffre, je serais allé le chercher. Hein, dans le en soi, Tlon a un Hellfire de. Enfin, il s'est arrangé pour avoir un Hellfire, donc normalement, oui, il y en a un dans le coffre. Il y en a un dans le coffre. Maintenant, et ça me va si tu me dis que tu l'as pris, hein, parce que. C'est pas déconnant. Parce que du coup, il se met en position, il me met en parallèle du conducteur, il me dit feu, je fracasse le conducteur quand je suis à niveau. Hein. Ah ben, à la rigueur, je te dis simplement go, et puis tu te lèves et tu tires, hein, comme ça. Bah, et donc, qu'est-ce que tu dis au moment où l'arrière de ma voiture, enfin, au moment oui. où le passager est à peu près au niveau du conducteur de l'autre, je gueule, lit, vas-y. Ok, bah, du coup, je sors comment il s'appelle, Chuck Norris, et je lui canarde le conducteur. Vas-y, ils sont trois dans la voiture. Et ben a priori, je vais faire un tir en rafale. Vas-y. Avec alors. Le joueur de tennis. Pardon. C'est l'époque. Hein. Oui. Tiens, les balles de Hellfire volent bas ce soir. Il va. Bon. Pique un peu. Ouais. Locke. Je pense. Pense que ça passe à la tête. Bah oui, parce que de toute façon, le Hellfire il a un pointeur en plus, donc il permet de faire un plus un automatique. Mm-hmm. Donc oui, bah plein de tête. Et du coup, Hellfire plein de tête, il a pas de casque, je suppose. Bah non, il a un bandana. ça arrête pas les balles, le bandana. Ouais, et bah ça va picoter, hein. il y a un petit attention, côté, ça va piquer. Il y a un petit côté Pulp Fiction. Donc maintenant, on a une voiture avec un blood sans tête. Alors, attends. je fais les gars. Attends, il faut qu'il fasse les gars. Alors, j'ai une question, moi. Je suis en tir automatique. Enfin, je suis en tir à rafale. Hein. Donc, 3 balles. 4 avec le Hellfire, okay, monsieur. Oui, hein, vas-y. J'ai une question très sérieuse. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un cavalier sans tête, puisqu'il est à bord d'une voiture? Je lui ai fait 91, hein. Bah, je sais pas si tout va dans la tête ou si à chaque balle ça monte de plus 1. Je sais. Ça monte de plus 1, mais moi j'ai le stage commando qui me permet de rester tout dans la même localisation. Ah oui, ouais, c'est pas dégueulasse. Voilà. Donc bah c'est simple, hein, tu commences à les tirer dans la tête, puis toutes les balles en fait tu retires chaque morceau de tête, hein, histoire que voilà, il reste plus rien. Dans tous les cas, ouais, la voiture fait une embardée, hein, forcément, et se prend la rambarde. Bouffe la rambarde. Alors comme elle n'allait pas très vite, c'est pas très impressionnant comme accident. Par contre, les gars qui sont dans la bagnole, ils s'y attendaient pas trop. Et les deux autres bagnoles non plus. Donc pour le moment, vous avez un tour de plus. Bon, alors justement, le coup, c'est de piler avec la voiture, de sortir en dégainant et d'aligner les trois autres dans la voiture qui vient de deux faire autres, bombarder. Deux autres. Il n'y en a plus qu'un. Ouais. Il y en a un qui est mort. Hein. Ouais, je pense qu'il doit avoir quand même pas mal de sang dans les yeux. Hein, donc. Vous avez un tour pour... qu'est-ce que vous faites sur ce tour-ci? Eh ben, moi, je vais en buter un deuxième. Hein. Trop dangereux. Enfin, je vis police tout ça, histoire d'eux, tu vois. Histoire de. Hein, c'est... On leur lit pas les droits, mais on fait police chez votre arme. Vous êtes sur un flag, hein, il y a un moment. Ouais, c'est ça. Donc, mais de toute façon, moi aussi, je sors de la bagnole, je dégaine et je tire. Le police, là, peut être superflu dans le sens où vous mettez la vie de l'otage en danger, en fait. Le police. Ouais, je tire sur l'autre, celui qui est. Locke, les dégâts. Et pareil, Juan, hein. En quoi, réflexe ou coordination? Hein, c'est toujours coordination. Si je dégaine et je c'est tire, toujours... c'est plus réflexe. Mais bon. Ouais, mais c'est toujours coordination les tirs, en fait. Malheureusement. Okay. Mais si tu veux le faire en réflexe, vas-y. Hein. Bah, pourquoi tu m'emmerdes? Ça revient exactement au même, en fait. Donc, le flingue. Voilà, toc. Et
Donc j'annonce un 5. Et en plus, joli. La tête. Allez, dégâts. T'as fait tes dégâts, Lynn, ou pas? Pas encore. Non, mais en fait, je sais pas. Ah, mais ça fait. C'est 3d6 plus 3, ça fait 6d6 en fait. Et tu relances les 1. Et j'en relance 1, donc ça fait 23. Et 23 et 3, ça fait 26. Bon, bah, il y a 2 morts de plus dans cette bagnole. Hein. Bon, bah, maintenant, on va choisir chacun une bagnole. Donc, le tour suivant, qu'est-ce qui se passe? Bah, les deux autres voitures, bah, il y a 4 et 3 Blood qui sortent. 4 à la voiture de l'avant, 3 à la voiture de l'arrière. Et bah c'est simple, hein, ils tirent sur les deux connards qui ont tué leurs potes. Oui. Je ne te remercierai jamais assez pour ça, Lynn. Je considère que il vous faut ces deux pour vous toucher en difficulté. Oh putain, et gueule, je vais gueuler à toutes les bagnoles qui sont autour de se planquer parce que cette fois-ci... Alors, on peut faire des tirs de couverture. Hein. Alors, peut-être. Là, alors je vais pas sortir le truc, je considère, Lynn, t'as le truc pour tirer plus rapide, c'est ça? Mais c'est avec ton flingue, pas avec l'arme. Avec je vais considérer que c'est eux qui vont agir en premier parce qu'ils vont prendre un maximum de risques pour vous fumer en fait. Tu m'étonnes. Donc ils vont tirer. Donc il y en a 5, il y en a 4 et 3, il y a 7 tirs qui vont se faire. Et il suffit qu'ils fassent 2 ou plus pour toucher. Sachant qu'à chaque fois je ferai pair ou impair pour savoir sur qui ils tirent. D'accord. Donc. Okay. Alors je suis. Père ou impair, je pense qu'il faudrait mieux en définir 3 sur Juan ou 3 sur moi. Parce que, a priori, Le truc, c'est qu'ils se coordonnent pas, les mecs. Hein. Ils tirent. Il y a les occupants de la voiture de devant qui vont sortir. Ils vont voir un mec qui est devant eux, donc ils vont plomber lui. Ils vont pas plomber celui qui est de l'autre côté, qu'on voit moins. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Non, t'emmerde pas, ça va être le hasard. Ça va être le hasard. Je vais faire 1, 2, donc 1 qui touche, 2, 3 qui touche, 2, j'en suis à 5, encore 2. Il y en a un qui arrive même plus à tirer. Donc il y a 3 tirs qui touchent a priori. Mmh. Je considère que les 4 premiers sont à l'avant, les 3 autres sont à l'arrière. Donc on va faire 1 des 2. Long pair ou impair? Ouais, je vais faire paire. Donc, si c'est paire, t'es touché. Hein. Ouais. Paire, tu perds. Et bah, j'en prends une deux. Une fois, Lynn, deux fois. Après, ils sont à moi. Donc, je fais le premier, hein, Lynn. Donc, bras droit. Tac. Donc, 3d6. Tu fais résistance de ton vêtement. Hein. Ouais. Ça bloque pile. Ouais. Je considère que le dernier de chaque liste, il a une autre arme que juste d'une arme de poing. Donc ça, le dernier va piquer à chaque fois. Donc, lock pour Juan. Dégâts. Bah oui, t'as pas encore pris de dégâts, Juan. Dégâts, donc 15. T'es avec ton uniforme, Juan? Ah non, c'est vrai, je suis en civil. Ouais, 15. Aouh! Ça pique. Attention, ça va piquer. Aïe. Oula. Plus 3. Ah ouais, le lock pleine tête. Alors 15, ça fait 29 et 7, 36. T'as combien de points de vie? 29. Bah c'est simple, hein. Juan, il vient d'être mis au sol, net. Fumé, direct. Lynn. Ouais. Ton collègue vient de perdre un morceau de calotte, là, hein, de cerveau. Hein. Ouais. Est-ce que... Alors, je vais faire ma chirurgie faciale, merde. Est-ce que dans la situation actuelle, il y a un endroit entre les bagnoles où on peut se mettre à couvert? Ah, il y en a plein, des bagnoles. C'était congestionné, et là, ouais, il y a plein d'endroits où se planquer. Bon, bah, du coup, j'essaye de prendre... elle est dans quel... Enfin, je dis à l'otage de me suivre, donc... Non, mais l'otage, elle est dans le coffre. Vous l'avez pas sorti du coffre? Ah oui, c'est bien le problème. Ah oh, bah tant pis, on laisse là.
Et du coup, bah, je ramasse ce qui reste de Juan, je fais des quelques pas pour le mettre à l'abri et, nous cacher un petit peu, et je vais essayer de faire les premiers soins sur lui. Tu me fais un jet de carrure, difficulté 3 pour déplacer Juan. Athlétisme, non, non. Si tu veux, ça me va. Non, mais j'ai pas athlétisme, j'ai course, c'est chiant. Ah, toi aussi. Mais moi, j'ai athlétisme tout court, mais je suis meilleur en course. Ok, t'arrives pas à le bouger. Je prends un point d'ancienneté. Hein. Mais c'est des 3 la difficulté. Eh oui, mais mon point d'ancienneté, il vaut 2. Ah oui, ok. Tu tires Juan, ok. Et tu essaies de te planquer entre les voitures. Ouais. Tu me fais un deuxième jet de. Discrétion. Sang-froid, discrétion pour essayer de faire ce que tu peux entre les bagnoles pour pas te faire gauler. Hop. 5, c'est 4. L'idée, c'est essayer de perdre du temps, hein. Enfin de leur faire perdre du temps. Oui, de gagner du temps, de gagner du temps. De leur faire perdre du temps et nous d'en gagner. Ok, c'est réussi. Clairement, je vais pas t'en faire what mille de jet, mais en gros, tu essaies de te planquer pour pas te faire gauler. Ce qui se passe pendant que tu te fais, tu fais ça, il y a des voitures autour, hein, les gens se sont arrêtés. Les Bloods, ils sont en train de faire un massacre dans les gens parce qu'il y en a qui sont sortis pour voir ce qui se passait. Il y en a même qui sont sortis avec une arme. Non, mais j'aime bien les citoyens de Los Angeles. Voilà. L'idée, c'est que moi, je vais essayer de faire un jet de premier soin sur Juan, hein, parce que dans l'état où il est... Là, il n'en a pas pour longtemps, si tu oui, réussis pas. C'est l'idée. Vas-y, fais ton jet. Là, je vois bien la dame blanche. Là, je vois. T'as un point d'ancienneté à me filer. Il est pas en état. Et t'as un point d'adrénaline à mettre. Ouais, c'est le dernier, ouais. Attends, c'est quoi le jet? Sans froid, premier soin. Premier secours. C'est pas mal. Écoute, clairement, tu t'es mis dans un coin, tu fais ce que tu peux. Il y a une ou deux personnes qui sont avec toi, qui se sont planquées, qui t'aident. T'aimerais bien que les ambulances arrivent vite, là, parce que t'as l'impression qu'il y a des bouts de Juan un peu partout, hein, sur la chaussée. Mm. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est que tu vois son cerveau, en fait, la fille. Oui, c'est ça. C'est... Dans le sang. Hein. Oui, oh, ça va... Si, merde, putain, j'ai envie de refaire la chirurgie faciale. Je mets sur la radio, j'ai prévenu déjà, je suppose. Ah oui, officier à terre, j'avais voilà. Compris. Après, la question, c'est est-ce que je peux me battre ou pas encore, parce que... Bah oui, toi, t'es Alors, non, t'as les mains prises. C'est à la limite, si y a un mec qui arrive à porter, t'as ton arme pas loin, sur un réflexe, tu pourras tirer. Si t'as pas vu tout de suite, mais... L'idée, c'est aussi que je voudrais essayer de couvrir le coffre, en fait, pour empêcher quelqu'un de se rapprocher trop du coffre, en fait. Mmh. Si dans la panique générale, il est oublié, tant mieux. Et le temps que... voilà. Clairement, il y a des gens qui tirent depuis leur bagnole. Enfin, c'est une espèce de... Entre les Bloods, les citoyens de Los Angeles et peut-être d'autres gens, t'entends des coups de feu. La police est en train. Il y a un hélico de la police qui est au-dessus, qui commence à observer depuis les hauteurs, on va dire. Persuadé qu'il y a des citoyens qui se tirent dessus. En fait. À la radio, j'explique qu'il y a un otage dans telle voiture et qu'il voudrait faire un cordon de protection autour. Les renforts arrivent. Pendant ce temps, de l'autre côté de Los Angeles. Yes. C'est là qu'on aurait eu besoin de grenades un peu, hein. Ouais, je vois pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu fais? La sortie de là, les flics seront pas là avant quelques minutes. Hein. J'essaie de la traîner discrètement pour pas qu'elle soit, pour pas que les autres ils captent que je l'ai sortie quoi. Ok. Tu me fais un jet de sang-froid discrétion. Ne la rate pas. Réussi. Ouais, c'est okay. Désolé, j'ai un trou du cul qui s'amuse en moto. Tu fais ce que tu veux avec ton trou de balle. Hein. Non, mais... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Non, mais j'ai compris, t'inquiète pas. Mais c'est beau que tu vois tu dises non à ça. Oui. Tu sais, c'est compliqué d'imaginer un vrai trou de balle faire de la moto. Hein. voilà, tu vois. Non, mais je pense que je vais pas tarder à appeler les flics, quoi. Bref. Mais tu les as appelés, et ils vont arriver. Ouais. Le problème c'est que tu les as appelés et en fait tu entends les voitures qui s'en vont, les Coréens.
Ok, bon, je préviens sur la radio que bon Oui, bah tu dis qu'ils sont partis. Ils sont partis, donc tout est dispo pour au moins éteindre l'incendie, s'il vous plaît. Ok. Mais ils seront d'ici quelques minutes, oui, il y aura les pompiers pour éteindre, pour empêcher l'incendie de se propager ailleurs, on va dire surtout. J'essaie de voir ce que je peux faire pour. Mais non, en fait, je peux rien faire, c'est une brûlée, donc. Ah, si, tu fais des premiers soins, ça s'appelle. Ouais. Tu peux lui pisser dessus. Ça soulage les brûlures. Ouais. J'ai un doute, mais vas-y. Alors. Tu sais, Denis ne se déplace jamais sans son tube de biafine. Oui. Et du tulle gras. Allez. Bon, tu me fais un jet de sang-froid, premier soin. Ah bah, c'est pas glorieux, hein. Bon, bah, ouais. Tu t'abstiens. Et là, ça fait mal. Ah, elle bouge pas. Et là, ça fait mal. Ah, elle bouge pas. Voilà, c'est un peu ça. Ça va bien, ce temps... alors, elle dit pas que ça fait mal. Pendant ce temps, en fait, sur l'autoroute. Alors, j'ai c'est assez simple, en fait, il y a un vitol qui se met en place et qui commence. Tu vois, en fait, une personne du SWAT qui commence à faire du ball trap avec les Bloods depuis le vitol. Ouais! Dans ma situation de near death experience, est-ce que je suis en dehors de mon corps? Est-ce que j'assiste de tout de haut? Ça peut être cool. Bah, du niveau du Vitol, quoi, en fait. Il y a le Vitol qui te bloque non, la vue. Non, non, non. Pour le moment, t'es pas en état de quoi que ce soit. Non, mais t'as le Vitol qui te bloque la vue. Réellement, d'ici quelques minutes, en fait, ouais, les Bloods se sont fait défoncer. En fait, il y a le SWAT qui arrive assez... parce que vous êtes pas si loin que ça de Downtown. Et le SWAT arrive et se paye les Bloods. Hein. J'ai AFK, moi. Pas de souci. Qui sont passablement énervés. Mais est mort, maintenant. Énervé et mort, c'est très bizarre comme condition. En tous les cas, ouais, bah, t'as les ambulances. C'est simple, en fait, pour faire assez simple, ce qui se passe, le médecin qui passe et qui regarde Juan et il te fait « Non, mais il est mort, hein, je vais m'occuper de quelqu'un d'autre. » Alors, tu sais qu'il est pas mort, hein, tu l'as tenu en vie. Eh ben, je lui dis non. Vous vous occupez de lui tout de suite, c'est prioritaire. Fais un petit jet d'intimidation, s'il te plaît. Et j'ai un stage pour forcer l'équipe technique à s'occuper d'abord de mon enquête. Oui, c'est pas ton enquête. Tu me fais un stage, tu me fais ton jet d'intimidation pour le convaincre de ne pas laisser tomber ton truc. En gros, il y a plusieurs blessés, etc. Et clairement, le médecin est en train de prioriser parce qu'il considère que ton pote va mourir, en fait. Hein. Enfin, elle est mort, quoi. Et donc, elle va faire 3. Et je lui dis que la personne qui a fait du ball trap avec les bad guys du SWAT, là, qui est sur le Vitol, c'est sa sœur. Parce que, voilà, ça doit me donner au moins un succès supplémentaire. En termes de RP, quand même. Bon, le mec, il s'en occupe. Il l'a envoyé directement, oui, aux urgences et directement en salle d'opération. En hélico. C'est l'idée. Je suis pas sûr que tu sois transportable en hélico, en fait. Hein. En même temps, vu les bouchons, Juan, je vois pas trop comment je pourrais faire. Ouais. Fais-moi un jet de carrure. Pur. Ouais. Je sais pas. En fait... Hey, 4 succès. Pas mal, okay. Je suis content. Attends, on va le faire autrement. C'est réussi pour le jet de carrure, mais c'était pas que ça. Attends, j'ai plus la feuille de copse sous les yeux. C'est mon âme qui vient de tomber d'un seul coup, ça. C'est pas que ton âme. Alors, c'est où bah, tu me fais un jet de perception, de charme, de réflexe, de coordination, d'éducation et de sang-froid, s'il te plaît. Un de chaque. Un de chaque, putain. Ouais. Ah, tu vas perdre un point. C'est alors, vas-y, tu me dis de charme. Allez, charme. C'est 2. De coordination, ça fait 4. À mon avis, tu vas perdre moins un charme. Hein. Éducation ou pas? À tous, hein, de toute façon. Tous, hein. Ok. Éducation, c'est 1, forcément. Perception. D'accord. Réflexe. Ouh la vache. Réflexe, c'est 2. Et sang-froid. Et son froid, c'est 3, putain, c'est dingue. Alors, perception, je perçois plus rien, là. Ok. Bah, c'est simple, ceux que t'as à 0, tu vas retirer 2 points. Alors,
On verra après si ça sera temporaire ou pas. Et ceux que tu es à 2, tu vas à 1 et à 2, tu vas retirer un point en fait. Ok. Tous les meilleurs pour l'instant. Donc j'avais dit carrure s'est passé, charme donc un point en moins. C'est tombé à 2. Coordination c'est passé. C'est passé. Éducation. C'était perception que tu avais fait qui avait fait 4, je crois. Ah 5. Oui, 5. Perception, ça ne bouge pas. Tu vois toujours aussi bien. Génial. Alors, le 3, c'est éducation. Donc, éducation, ça tombe à 1, quoi. C'est, ouais. Génial. Réflexe, par contre, ça baisse d'un. Donc... C'est quoi la caractéristique que tu as à 4 ? Perception. Et c'est quoi que tu as à 5, alors ? Réflexe et coordination. Ok. Parce qu'en fait, je regarde par rapport au jet que tu as lancé, en fait. Ouais. Et sang-froid, c'est passé. Donc, je perds 1 en charme, je perds 2 en éducation et je perds 1 en réflexe. Mm-hmm. Alors, tout ce qui a 2 perd 1 et tout ce qui a 1 perd 1 aussi. Hein. Donc, il y a plus que ça, normalement. Alors, j'ai un 2, un 1 et un 0. Ah non, j'ai un 2 aussi ici, pardon. Donc, j'en ai un qu'en plus qui perd. Alors, si ça c'est le. L'avant-dernier, hein. C'est l'avant-dernier. Et l'avant-dernier, c'est. C'est réflexe. C'est réflexe. Bah, j'ai compté le réflexe. Donc. Je vais considérer qu'en fait, de façon temporaire, t'as un point de moins sur tous ces trucs. Et ceux où t'as perdu deux, il y a un point qui sera pas rattrapable, on va dire, en dehors de redépenser 10. Okay. Non, mais c'est bien perception sur lequel j'ai fait 0, hein. Ouais, 4, donc c'est 2 points c'est en moins. 2 points, donc je perds. Donc c'est 1 en charme, 2 en éducation, 2 en perception et 1 en réflexe. 2 fois 0 ? J'ai un 0 et un 1. Ah, non, mais c'est 1 point. C'est 1 point, donc que 1 en éducation. En éducation, ok. Ouf. Ouch. Ah, tu te fais charcuter. Bon, tu vas rester à l'hosto quelques jours. À certains temps. Voir quelques mois. C'est plus l'idée. Hein. Donc, je te ferai jouer autre chose pendant le. Pas de soucis. Quelques temps, mais, ouais. Je vous laisse annoncer à Jou et à Émilie la bonne nouvelle. Et aussi à Maria, tiens, elle va apprécier la blague. Bah, je vais y aller en personne, je pense, parce que j'étais là. Hé, attends! Est-ce qu'on a au moins sauvé l'otage ? C'est simple. L'otage, t'ouvres le coffre, elle est bien dedans. Le problème, c'est qu'elle s'est aussi pris des balles en fait au passage. Hein, donc, le problème, c'est qu'elle est envoyée aussi à l'hosto. Alors, j'aurais aussi, enfin, dès que la partie Juan aurait été libérée, la première chose que j'aurais fait, c'est l'otage, évidemment. Oui. J'entends bien, mais voilà. Mais l'idée est la même, hein, c'est... Oui, je me doute bien. Et le coffre, il était blindé, forcément, puisque c'est une voiture de Yakuza. Le Blood, donc non. Le jour où les Bloods auront des voitures blindées, ça se sort. Hein. Et s'il était blindé, t'aurais pas pu faire un meilleur carton, hein. Ça se trouve, voilà. Ouais, mais moi, j'ai la compétence balle par armure, tu vois. Putain, mais... Trouver la faille, tu vois. N'empêche... Alors, ce qui se passe, là... Par contre, je vais quand même prendre des photos hein, de la voiture où j'ai mis 91 points de dégâts à la tête du gars. Ouais, enfin, tu te dis que ton collègue, il a aussi pris 91 points de dégâts à la tête, dans tous les cas, direction l'hosto. Je vous laisse débriefer entre les deux avec les deux survivants, hein. J'appelle sur le trajet, j'appelle Emily, j'appelle Drew et j'appelle Maria aussi. Ouais. Tu peux aussi informer Demis, qui est une des deux jumelles qui est aussi à l'hosto. On parlera pour savoir si ton personnage s'en sort ou pas. Pour d'accord, le corps, réellement. Oui, bah, bien sûr. Parce que là, j'ai mis ça pour l'instant en patch, mais. Oh, il est mort. je veux pas tortiller du cul pour chier droit, mais. Bon. Donc, on verra ensemble ce qu'on va faire, mais. Ok.
Mais je considère qu'il va être, s'il est pas mort, il va être indisponible pour quelques scénarios et on te mettra un autre personnage en attendant. Je l'avais dit, là, c'est dans la voiture, mais il a fait qu'à sa tête. Hein. Oh, j'ai tellement mal. Ah putain, j'imagine bien la séquence d'enterrement avec Lynn qui sort ça. Le premier truc qu'elle sort, c'est leur discours. L'instant d'après, c'est sa tête qui explose parce que Maria s'est énervée. Mais pour le moment, on verra. Parce que ça peut être intéressant aussi que ton personnage meure et que tu reprennes un autre perso, mais on verra si tu le veux ou pas, en fait. Okay. Avoir d'autres personnages, c'est possible. Alors moi, j'ai mis trop de thunes sur Juan pour qu'il meure. Hein. Je suis désolé. Et justement, ça pourrait être un truc intéressant, ça. J'aimerais bien, justement, que... Non, mais on en parlera, monsieur Tlon. Ok. Parce que, clairement, si on fait le décès de ton personnage, je vais te faire jouer Maria. Hein. Il y a des chances. Ça pourrait être fun. Bah, ouais. Mais on verra. On en parlera. À réfléchir et à réfléchir aussi avec le groupe. Hein, tu vas pas transformer la campagne Cops en campagne de Cthulhu. Hein. Ou à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, on prend le cousin de la cousine du machin. Non, c'est bon. Hein. Non, mais le truc, c'est que ça peut être intéressant. C'est pour ça qu'on en parlera aussi tous ensemble. Hein. Non, ça va faire du sombre. Hein. Ton perso meurt, tu prends un antago et puis c'est bon. Quoi. je prends le. Alors, Clon, tu joues quoi aujourd'hui? L'homme à la moto. Exactement. Ma cible, Céline. Quoi? Bon. Donc, on va voir. Pour le moment, en fait, le truc, c'est que je vais arrêter là pour ce soir parce que, comme je disais, je suis claqué. On n'a pas joué très longtemps. Bon, c'était un peu intense. Ah oui, c'était intense, oui. Ça... Ah, c'est vrai, c'était... T'étais en forme pour le grand retour. Hein. J'allais dire, on s'est éclaté pour ton retour. Ah bah, on s'est même pris un peu la tête, hein, quand même. Hein. En même temps, t'es sorti de la bagnole alors que t'avais pas de pare-balles, hein, entouré de 7 bloods. Je sais pas à quel moment tu disais que c'était une bonne idée. Mais... C'est-à-dire que le mieux, c'était d'essayer de protéger le coffre. Mais bon, je crois que ça a marché. Les premières balles sont arrivées à moi. C'est l'idée. Ouais. Bah ouais, moi je pense que t'aurais dû rester dans la bagnole, hein, mais bon. Bon, on verra de toute façon. Donc les gens qui écoutaient, voilà pour cette petite séance de ce soir, ou écoutez en podcast ou je sais pas, voilà. À bientôt pour la prochaine. J'ai quand même fait deux frags. Ah, et le truc, c'était, j'aurais dû écouter Morpheus, on fait jamais de trucs sur le highway, c'est bien connu, bordel. C'est pas faux. Bon, ok. Du coup, à la semaine prochaine, tout ça, gros bisous, abonnez-vous. Gros bisous, abonnez-vous, à la prochaine pour savoir ce qui va arriver à Juan. Attends.